Yo YouTube, du coup après avoir vu la vidéo La Bannière Barbe Noire, oui, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur les events qui sont arrivés pour, ils disent l'anniversaire, mais je pense que c'est pour le nouvel an chinois, comme il y a quelques trucs qui sont arrivés. Hop, je vais baisser un peu la musique. Mais on va regarder tout ça. Il y a trois events différents. Du coup, j'avais fait une vidéo sur la chinoise avant qui parlait de ces events. On va commencer par le feu d'artifice. Feu d'artifice, feu d'artifice. Où on peut voir ce qu'on a à gagner dans le feu d'artifice. Dans le feu d'artifice, on peut gagner pas mal de choses. Des 1000 diamants, des fragments champions, des cristaux, etc., etc. Et les feux d'artifice, on les reçoit en gros dans les coffres. Dans les coffres, on les reçoit ici. On les reçoit ici. Hop. On les obtient ici. C'est comme un event farmable, sauf en gros, au lieu d'acheter ce que tu veux, là, tu ouvres des choses. Hop, je vais ouvrir tout d'un coup. Je crois que le taux de drop, il est assez. Bon, on sait même pas c'est combien le taux de drop. C'est nul. J'ai pas eu des trucs de ouf. J'ai eu des tickets, c'est ok, tiers. Mais après, cet event, c'est gratuit, du coup, c'est ok. Carnaval limité. Ça, c'est. Hop. Je vais prendre la poudre et je vais prendre. Je vais prendre ça. Hop. Gratuit. Du coup, ensuite, si tu veux, il y a des packs où tu peux payer pour avoir du coup les diamants qui a marqué et d'autres choses. Par exemple, le dernier pack à 110 euros, tu peux avoir des bons trucs, une rune jaune carrément, des pierres de refonte incroyables. Ou sinon, tu peux avoir pas mal de choses. Si, c'est la même chose, ça. Ou avoir pas mal de choses intéressantes, des tickets dorés, etc., etc. Après, il faut payer quoi. Tu peux l'avoir deux fois et même il y a deux packs différents en fait. Du coup, voilà, vous pouvez payer si vous voulez pour avoir des packs et il y a des limites. Vous voyez, limite à 1, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Et pack personnalisé, et c'est x2. Ça veut dire que si tu achètes le pack, tout est en x2. C'est incroyable si c'est ça. C'est incroyable si c'est ça. Mais voilà, vous regardez les packs et il y a des trucs intéressants dans les packs si vous voulez payer, bien sûr. Mais c'est pas obligé. Et il y a la loterie. La loterie, ça, c'est tous les jours ou c'est quand? Je sais pas. Pour faire la loterie, en gros, il faut se connecter une fois. Pour participer à la loterie, en gros, il faut faire toutes les missions à droite. Se connecter une fois, du coup, c'est bon. J'ai un chiffre, du coup. Hop, donne-moi un chiffre. 9. Bataille rapide une fois, hop. 6. Participer à l'entraînement sans fin. Je vais lancer ça direct. Boum. Ok. Hop. C'est bon. Effectuer 3 recrutements. Je fais les gratuits. Ok, c'est bon. Et faire le donjon. Bon, ça c'est chiant. Ah non, c'est ça le donjon. Ah. Tout balayé. Je prendrai après. Bah, c'est bon. Et j'ai mes 5 chiffres du coup. Et il va y avoir un tirage du coup dans 12 heures. C'est à quelle heure? C'est au reset, je crois. Je sais pas. Je crois que c'est au reset. Il y a un tirage au sort et tu vas savoir si tu gagnes, si t'arrives à gagner un cadre et arrives à gagner des diamants, etc., etc. Troisième prix. Ah, t'es obligé de gagner 388 diamants, je crois. Et après, si t'es bien classé, tu peux avoir des mieux. Du coup, pour la loterie, petite précision, vous avez eu 5 chiffres tirés au sort, totalement au hasard, quoi, tout simplement. Et à minuit, du coup, 30, normalement, il va y avoir un tirage au sort. Du coup, ça veut dire qu'il va y avoir 5 chiffres qui vont être donnés, comme au loto, en fait, qui vont être tirés au sort. Et si, du coup, vous avez les 5 chiffres, vous finissez premier, ou celui qui a le plus de chiffres correspondants, en fait, va finir premier, deuxième, etc., etc., etc. Du coup, c'est un loto, en gros. Et le dernier event, c'est Carnaval Limité. Ah non, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait, mais quoi, c'est tout. Il y a que ça comme event. Ah mais non. Il y a le bonus de connexion, bien sûr. Bonus de connexion, tu peux avoir un 4 gratuit. Let's go! On a tous le 4 gratuit. En plus, le 4 gratuit, c'est PV plus 3% et vitesse plus 10. C'est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal ce cadre. Hop. Let's go, changer de cadre. J'ai enfin un cadre. Et ça, du coup, c'est pour l'event du Nouvel An chinois. Ça n'a pas changé, what the fuck? Utiliser. Let's go! Gratuite. Et du coup, je crois que c'est tout ce qu'il y a comme event. Hein. C'est tout. Quelques petits events au KLM. T'as pas fait les trois défis un peu dingue dedans. La chance. T'as pas fait les trois défis un peu dingue dedans, la chance. Comment ça? Ah, dans la loterie, ça change. Toi, t'as marqué les trois défis un peu dingue. Mais du coup, je suis bloqué. Oh merde. Oh merde, on n'a pas les mêmes choses chacun. Et bah, mec, force à tous ceux qui vont faire des impel down ou quoi que ce soit. Mais au pire, tu payes. Mais non, mais tu payes. T'es con, tu payes. Tu peux payer pour un pull down. Pour un pull down, frérot. Tu balayes, et tu payes, ça coûte 20 diamants. Ça va, tu payes. Ça va, en vrai, ça va. 20 diamants et tu peux gagner, tu vas te rembourser quoi qu'il se passe. Ça va. Du coup, voilà. C'est les seuls events qu'il y a, en vrai. Hein.
C'est Sales Event qu'il y a, méditation il y a déjà, événement il y a déjà depuis un moment. Blablabla. Ouais, je crois que c'est tout ce qu'il y a. Il y a la bannière qui est sortie quoi. Et voilà quoi. Voilà.